Bonjour à tous les amis, deuxième épisode de l'actu, l'émission qui fait le tour de la planète foot. Je vous propose aujourd'hui le menu suivant. On va tout d'abord regarder et débattre du but magnifique, incroyable de Toni Kroos. On ira faire ensuite le petit pronostic de la deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. On parlera dans un troisième temps de la très belle victoire parisienne 6-1 contre Saint-Etienne. Et enfin, dans un dernier temps, on évoquera la prolongation d'Mbappé. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Super Coupe d'Espagne hier soir, Valencia, Real Madrid, Toni Kroos s'élance pour tirer le corner et là, geste incroyable, il tente et réussit un corner rentrant. Il est souvent mésestimé, mais l'Allemand de 30 ans rayonne toujours au sein de l'entrejeu du Real Madrid. Alors que Zidane devait se passer de Benzema, de Bale et d'Hazard, c'est finalement grâce au coup de génie de Toni Kroos que le Real a débloqué la situation. Alors oui, il y a eu l'inattention de Domenech, le gardien de Valence, mais pour réussir un tel geste, il faut une posture, une technique et une vision hors du commun. De son côté, le Real attend maintenant de savoir qui du Barça ou de l'Atlético sera leur adversaire en finale de cette Super Coupe d'Espagne, nouvelle formule. En tout cas, une chose est sûre, il ne fait aucun doute qu'ils seront affamés pour aller décrocher ce premier titre en 2020. Et justement, la transition est parfaite pour faire le pronostic de Barça-Atlético. Comme vous le savez, pour tout ce qui est pronostic, je travaille avec la plateforme Cashback depuis le début de la saison. Nous proposons des conseils en paris sportifs, chacun son domaine. Moi, c'est plutôt la Liga et la Première Ligue. Tous les pronostics sont sur ce site. On vous envoie tous les jours un petit mail pour vous expliquer nos paris. Et vous avez nos résultats en ligne, qu'ils soient gagnants ou perdants. Pour ce pronostic, je vois le Barça s'imposer, les deux équipes marquées. De manière générale, les Colchoneros et Diego Simeone ont du mal à battre ce Barça. Souvent dominateur, peu efficace. Cette saison, ça se confirme encore plus parce que leur attaque est très décevante. Et d'un autre côté, on a le Barça qui mise sur Messi et sur Ter Stegen. Le portier allemand est blessé, ce qui laissera peut-être une opportunité aux Colchoneros de marquer plusieurs buts. Mais il reste quand même Messi, il reste Suarez, il y a quand même une pléthore de joueurs de qualité du côté du Barça. Et même si c'est vrai, cette année le jeu n'est pas au rendez-vous, le Barça ira chercher ce Classico en Supercoupe d'Espagne. Donc pour ce pronostic, je vois une victoire du Barça, les deux équipes qui marquent et en bonus un but de Messi. Allez, on continue le programme les amis, on file en France. Hier soir, il y avait la Coupe de la Ligue et le PSG a étrié Saint-Etienne au Parc des Princes 6-1. Mauro Icardi s'est signalé par un triplé, Mbappé par un doublé et enfin Neymar a également marqué. Et c'est une constante, à chaque fois que les trois hommes sont alignés ensemble, donc 4 fois, ils ont tous marqué. Avec ce trio, on peut y voir une certaine complicité et surtout une grosse efficacité. En parlant d'efficacité, Icardi avec le PSG, 23 tirs cadrés, 16 buts, c'est incroyable. Donc il y a une belle alchimie qui se dégage de ce PSG. C'est de bon augure forcément avant une série marathon qui les conduira jusqu'en Ligue des Champions en février prochain. D'ici là, le PSG devra attendre jeudi soir pour connaître l'identité de son futur adversaire en demi-finale. Ça sera Reims, Lyon ou Lille. Et on finit cet épisode de l'actu par Mbappé et sa prolongation de contrat. On sait qu'il va bientôt arriver à 2 ans du terme de son contrat. Donc le PSG doit absolument le prolonger ou de le vendre cet été pour un maximum d'argent sous peine de le perdre un an plus tard pour une bouchée de pain. Et justement, en parlant de prolongation, il a été interrogé hier soir sur son contrat et le natif de Bondy a préféré botter en touche. On ne connaît pas ses réelles intentions, être la future star du PSG ou aller découvrir un nouveau championnat et de jouer dans son club de cœur, le Real Madrid. Il a dit, je cite, « On est en janvier, c'est le départ du sprint final, là où les titres se jouent, donc ce n'est pas le moment de faire de vagues. Le club est calme et serein, tout le monde marche dans la même direction, donc parler de choses qui sont extérieures au terrain, ce n'est pas très réaliste et pas très bénéfique pour l'équipe. Donc aucune information n'est sortie de cette déclaration, mais le PSG se montre quand même confiant pour le dossier. On estime qu'un contrat de 50 millions d'euros pourrait convaincre le natif de Bondy de prolonger du côté de la capitale. Voilà les amis pour ce deuxième épisode de l'actu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, à lâcher un maximum de pouces bleus si vous aimez ce genre de vidéo,
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de la semaine, une vidéo spéciale Mercato. Merci à tous les amis et à demain. Ciao.